Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter la solution logicielle Anki. Je crois que c'est un terme japonais qui est un logiciel, enfin qui est une solution hein, gratuite pour aider les jeunes à mémoriser, enfin pour aider n'importe quelle personne d'ailleurs à mémoriser. Moi, je l'ai longtemps utilisé dans mes séances de rééducation avec des jeunes collégiens, notamment pour préparer le brevet, mais pas exclusivement, puisque vous allez voir qu'on va jouer avec des paquets de cartes. On peut d'ailleurs, ça sera l'objet de la deuxième vidéo, créer ses propres paquets de cartes. Et en fait, en quoi Anki aide à mémoriser? Tout simplement parce que ces cartes, il y a une question, une réponse. Le jeune s'auto-évalue à la présentation de la question, donc il doit lui-même chercher la réponse et il s'auto-évalue en disant s'il avait bon ou pas bon et si c'était facile ou moyen. Et en donnant ces réponses-là, le jeune indique à l'ordinateur la facilité de mémorisation de la carte en question. Et à chaque fois, du coup, si le jeune a bon, eh ben, le délai de présentation de la nouvelle de la même carte va augmenter. Donc la même carte va être présentée plusieurs fois jusqu'à ce qu'il y ait un délai de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que l'ordinateur considère que cette carte soit acquise. C'est-à-dire que, en gros, la même carte ne va pas être présentée une seule fois, mais être représentée plusieurs fois, à chaque fois avec des délais. Donc au départ, on est sur 4 jours par défaut. On verra qu'on peut baisser ou augmenter d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire que si le jeune a bon, et ben la même carte sera présentée 4 jours après. Et dans les 4 jours après, on va lui remettre la même carte. Et cette carte, si le jeune a de nouveau bon, on passera peut-être à 10 jours et ensuite à 20 jours. D'accord? Si il se trompe, et ben il revient entre guillemets à zéro. Et de cette manière-là, vraiment le principe. Le processus de mémorisation est vraiment facilité. Donc, on va voir plusieurs choses aujourd'hui. On va voir comment se créer un compte, parce que j'ai parlé de solutions plutôt que de logiciels, puisque Anki est multiplateforme. On peut l'utiliser aussi bien sur PC que sur Macintosh que sur Linux, mais je peux également l'utiliser sur iPad et sur Android. Et que pour que toutes ces. Je peux même l'utiliser également sur le site directement Anki Web. D'accord? Mais que pour que que toutes ces plateformes communiquent, eh ben j'ai besoin d'un compte. Donc on verra comment on se crée un compte, c'est extrêmement simple. Ensuite, on aura besoin de télécharger peut-être la version PC. Ben pourquoi? Parce que notamment pour ajouter des paquets de cartes, c'est plus facile avec la version PC. On a l'avantage en plus de l'avoir en français, alors que quand je suis sur l'interface web, eh ben je suis en anglais. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais enfin quand même. On verra depuis la version PC comment ajouter un paquet. On verra le principe de la synchronisation. On verra aussi comment définir les limites quotidiennes, c'est-à-dire combien de nouvelles cartes par paquet le jeune doit apprendre par jour. Donc là, ça nous permettra de définir la durée des sessions de travail. Celles-ci doivent être quotidiennes idéalement. D'accord? Et on terminera juste avec le téléchargement de la version Android, tout simplement parce qu'il y a, y a beaucoup de. Si vous tapez Anki dans le Play Store, vous avez beaucoup de versions. Donc je vous montrerai la première pour commencer. Enfin, la bonne, quoi. Alors, on va commencer donc par la création d'un compte. Alors ça, c'est pas très difficile. Il suffit donc de passer par un navigateur. Dans ce navigateur, alors moi j'utilise le moteur de recherche compte, mais vous pouvez très bien utiliser Google ou n'importe lequel. D'accord? Vous tapez Anki, d'accord? Et vous validez. Et logiquement, le premier résultat qui va vous être présenté, c'est le bon apps.ankiweb.net. Vous cliquez et là, vous arrivez donc sur la page générale d'Anki avec tout de suite la possibilité de télécharger le logiciel PC. Mais nous, on va se créer un compte, d'accord? Donc on va aller sur AnkiWeb. Donc là c'est la plateforme d'Anki, c'est celle qui servira aux jeunes éventuellement à se connecter pour mémoriser ses cartes, même si généralement ils préfèrent le faire sur leur téléphone, mais parfois c'est plus simple sur une plateforme web quand ils sont en Ulysse par exemple. Donc là j'accède. Alors moi je suis déjà connecté à un compte, d'accord? Donc je vais me déconnecter. Voilà. Et alors, à partir de là, vous avez deux possibilités. Donc soit vous êtes sur login. D'accord. Si vous n'avez pas de compte, il va falloir tout simplement cliquer sur Sign Up. Un clic gauche sur Sign Up. Et on va vous demander de taper votre email. D'accord. De retaper votre email une deuxième fois. D'accord. Et de définir un mot de passe. Donc, votre identifiant, ça sera l'email tapé. Et le mot de passe, ça sera celui que vous avez retenu.
enfin que vous avez défini, pardon. Quand vous avez fait tout ça, vous cliquez sur Sign Up, d'accord? Alors moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte, d'accord? Donc on vous dit hein, que ça prend moins d'une minute, que c'est complètement gratuit. On vous prévient aussi quand même qu'il y aura un email de confirmation qui va vous être envoyé sur votre adresse mail. Il faut donc bien vérifier qu'elle soit correcte et que vous ayez accès à cette boîte mail. L'envoi de l'email est extrêmement rapide. Donc vous tapez votre email, vous le confirmez, vous choisissez votre mot de passe Anki, vous cliquez sur Sign Up, d'accord? Ensuite, vous allez sur votre boîte mail, vous recevez votre mail, vous cliquez sur le lien qui est à l'intérieur pour confirmer votre adresse email et à partir de là, votre compte est créé. D'accord? Donc à partir de là, quand vous revenez sur la page Anki Web, on voit que c'est ankiweb.net. Hein. D'accord? Quand vous revenez sur la page ankiweb.net, vous arrivez ici et à partir du moment où vous avez votre compte de créé, bah, vous n'avez plus besoin de cliquer sur Sign Up pour s'inscrire. Vous cliquez sur Login. Et là, vous allez donc taper votre email et votre mot de passe. Alors, personnellement, le mien est déjà. Voilà, avec le mot de passe déjà enregistré. Donc, je clique sur Login. Et donc, j'arrive à la page sur laquelle j'étais précédemment avec mes paquets de cartes qu'on appelle en anglais donc des decks, parce que là, je suis sur la plateforme web, donc je suis en anglais. D'accord? J'ai trois paquets de cartes. Logiquement, vous aurez un seul paquet qui s'appellera défaut. D'accord? On va voir que ces paquets de cartes, avec le bouton Action, je peux les renommer, le partager ou le supprimer. Moi, je vais d'ailleurs supprimer le paquet capteur ou actionneur, c'était pour un test. Voilà, donc clic gauche et clic gauche sur Delete. On me dit que ça va effacer toutes mes cartes et que je ne pourrai pas revenir en arrière, c'est pas grave. D'accord? Alors, pour maintenant, donc le compte est créé. D'accord? On va maintenant télécharger la version PC. Alors, pour télécharger la version PC, donc je reviens sur mon moteur de recherche, parce que je ne connais pas l'adresse par cœur, ce n'est pas l'adresse dans le KeyWeb. Je vais taper compte, pardon. D'accord. Vous retapez Anki comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc apps.ankiweb.net. Et vous cliquez sur Download. À partir de là, on voit qu'on est sur une page avec plusieurs onglets. L'onglet principal Windows, mais l'onglet Mac, l'onglet Linux, l'onglet iPhone Android. D'accord? Mais ça, on en parlera plus tard. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'onglet Windows. Et par défaut, j'ai l'enregistrement principal. Donc c'est la dernière version en date, la version 2.1.40, qui fonctionne sous Windows 7, 8 et 10. D'accord? Donc vous cliquez sur le bouton Download Anki. D'accord? Et vous cliquez sur le bouton enregistrer le fichier. Moi, je vais encore une fois, je vais pas le faire parce que j'ai déjà Anki d'installer sur mon ordinateur et que de plus, j'ai pas les droits sur mon ordinateur professionnel pour installer moi-même le logiciel. D'accord? Donc c'est un fichier 107 mégas. Vous cliquez sur enregistrer, vous double-cliquez dessus une fois qu'il est téléchargé et ça lance l'installation. Rien de très compliqué. Alors, une fois que cette installation est faite, vous allez avoir un icône ici, d'accord, les étoiles bleues là sur fond noir. Vous double-cliquez dessus et le logiciel se lance. Alors, il se lance, vous aurez qu'un seul compte, généralement c'est utilisateur 1, d'accord. Mais on voit qu'on peut bien évidemment donc ouvrir un compte, d'accord, et ajouter un compte, d'accord. À la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais en ajouter un pour vous montrer au moment où il va. Vous demandez votre identifiant et votre mot de passe. Donc, je vais cliquer sur Ajouter. Je vais l'appeler Démo Anki. Je clique sur OK. D'accord. Je clique sur Ouvrir. J'arrive avec ce que vous avez dû avoir tout à l'heure, c'est-à-dire un paquet unique par défaut. Il n'y a pas de carte, il n'y a rien. D'accord. Zéro carte étudiée en 0 seconde aujourd'hui. Et là, je vais cliquer sur le bouton Synchronisation où j'appuie sur la touche Y du clavier. Je clique sur Synchronisation. Et là, on me dit qu'il y a un compte qui est requis. Donc, je vais taper l'identifiant Anki, c'est-à-dire l'adresse mail hein, que vous avez utilisée au moment de l'inscription, et le mot de passe, donc c'est le mot de passe que vous avez créé au moment de votre inscription. D'accord? Donc là, je clique sur Cancel, mais vous cliquez sur OK. D'accord? À partir de là, vous liez ce compte démo Anki à votre compte Anki. D'accord? Donc moi, je vais revenir sur fichier, changer de profil, je vais me mettre sous mon profil à moi, le compte démon Anki d'ailleurs, je vais le supprimer. Voilà. Et
Je me connecte à mon compte utilisateur 1. Voilà, donc là, on avance dans la vidéo, on a créé un compte, on a téléchargé la version PC. On va maintenant voir comment ajouter un paquet. Troisième partie de cette vidéo, comment ajouter un paquet. Alors, je n'ai plus besoin d'application PC pour l'instant, donc je fais fichier, quitter. À chaque fois, il y a la petite fenêtre, il se synchronise automatiquement à la fermeture du logiciel. Je vais revenir par contre sur ma page de Firefox, sur ma page AnkiWeb. Donc, je clique sur la page AnkiWeb. Voilà, d'accord, AnkiWeb.net. Je me déconnecte, je me reconnecte pour être sûr que tout est OK. Voilà. Et là, je clique sur le bouton Get Share Dex. Donc, c'est obtenir un paquet partagé. Je clique dessus. Je vais cliquer sur French, d'accord, pour avoir des paquets en langue française. Alors, on voit qu'il y en a énormément, d'accord. Ça, c'est tous les paquets qui existent, d'accord. Je peux apprendre le farsi, hein, donc le persan. Je peux apprendre le japonais. Alors, vous verrez qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de vocabulaire, de langue, hein, d'accord. Mais il n'y a pas que ça, d'accord. Et tous les paquets, là, par exemple, je vois les présidents de la République française, le nouveau taxi, je ne sais pas ce que c'est, Netflix, épisode 1, voyons, on trouve de tout, Duolingo French, énormément de choses, l'espéranto, voilà. Bon. Alors, là, par exemple, moi, je cherche un paquet de niveau collège, donc je vais taper collège. Et je clique sur Search. Si vous cherchez un sujet spécifique, hein, vous tapez ce sujet spécifique et vous cliquez sur Search. Là, j'ai déjà un peu moins de choix. D'accord? Donc, j'ai des paquets qui ont été créés probablement par des professeurs. Hein, alors, vous voyez ici, donc, ce qu'ils mettent en note, c'est le nombre de cartes. D'accord? Donc, le paquet SVT ne contient que 18 cartes. Vous verrez quand on créera des cartes qu'il peut y avoir de l'audio et il peut y avoir des images. Donc là, on voit que dans le paquet SVT, il n'y a ni audio ni images. Dans les principales dates d'histoire au collège, il n'y a pas d'audio, il y a deux images et ainsi de suite. D'accord ? Allez, un petit peu de latin peut-être. Donc je clique sur le paquet qui m'intéresse. D'accord ? J'accède à la page de description du paquet. Vous pouvez voter d'ailleurs hein, si vous le trouvez bien. Donc, il y a une petite description. Et ensuite, il y a des samples, c'est-à-dire des extraits. Donc, le recto, c'est la question, d'accord. Et le verso, c'est la réponse, d'accord. On voit, donc, tags, il peut y avoir des mots-clés, d'accord. Enfin, et donc, là, c'est niveau de quatrième, d'accord. Je clique, si ça m'intéresse, sur Download. Et je vais, effectivement, ouvrir avec Anki. D'accord. Si vous n'avez pas encore téléchargé Anki, il faut enregistrer le fichier. Si vous avez déjà enregistré Anki, vous faites ouvrir avec Anki. OK. Et là, Anki va importer de lui-même. Alors, donc, on vous dit hein, que le paquet sera importé quand il va falloir, quand vous aurez choisi un compte. Donc là, c'est l'utilisateur 1. Ouvrir. Et d'emblée, il importe le paquet. D'accord. Note trouvée dans le fichier 389. Donc, il a bien importé les 389 cartes. Je clique sur « Close ». Et on voit qu'en plus de mon paquet « Révision de l'heure » et de mon paquet « Table de 5 », j'ai un paquet « Vocabulaire de latin ». D'accord ? Donc, ça y est, mon paquet, il est importé dans mon compte. Je peux cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc, on voit les réglages ici. « Inédit », donc ça, c'est la session de travail. « Inédit », c'est le nombre de nouvelles cartes que je vais devoir apprendre aujourd'hui. 2. On verra comment le changer. Probablement chez vous que c'est 5, hein. Les cartes à repasser, c'est les cartes qui sont à réviser, enfin, il y a eu des erreurs, et les cartes à réviser. Hein. Vous verrez que ces chiffres, on les retrouve un peu partout, 2, 0, 0. Donc, si je veux lancer une session de travail, je clique sur « Étudier maintenant ». Et donc, j'ai la question qui s'affiche, d'accord. Le jeune réfléchit, je clique sur « Afficher la réponse ». Alors, s'il est avec moi en séance, ben, il me donne la réponse à l'oral, il clique sur « Afficher la réponse ». Voilà, « Unde », ça veut dire « D'où », c'est un adverbe interrogatif. Alors, c'est là la grande force de Anki, c'est dans l'utilisation de ces boutons. D'accord?
à revoir, correct ou facile. Alors, à revoir, ça veut dire j'ai eu faux. Et l'ordinateur me reproposera la carte dans moins de 1 m, c'est-à-dire 1 minute. D'accord ? Si j'ai eu bon et que j'ai un peu hésité, je clique sur correct, l'ordinateur me remontrera la carte dans environ 10 minutes. Et si j'ai eu bon et que c'était facile, que je n'ai pas hésité, l'ordinateur me remontrera la carte dans 4 jours. D'accord ? Donc là, c'est l'auto-évaluation du jeune, ce que je vous expliquais en introduction, qui va indiquer à l'ordinateur le niveau de mémorisation de cette carte. D'accord ? Généralement, les jeunes, quand ils hésitent entre correct et facile, je leur conseille de cliquer sur correct. Donc là, on va partir du principe que j'ai eu faux, donc je vais cliquer sur « À revoir ». Donc là, il me remet la même carte, mais en sens inverse, d'où, donc du coup, c'est pas la même carte hein, pour l'ordinateur. Voilà, « Unde », ça je le savais, parce qu'il vient de me... Voilà, donc je clique sur « Correct ». Là, il est en train de me remontrer la première carte de tout à l'heure, puisque je lui ai dit que j'étais trompé, donc il allait me la remontrer dans moins d'une minute. Donc « Unde », ça veut dire « D'où ». Voilà, je clique sur « Afficher la réponse ». Là, cette fois, je considère que j'ai bon. D'accord ? Il me la remontrera dans moins de 10 minutes. Alors, il y a beaucoup de répétitions, hein, bien évidemment. On a toujours un peu l'impression qu'il nous remet les mêmes cartes au départ. Donc là, on va dire que c'est correct. Unde, là, cette fois, c'est bon. Correct. Voilà. Et là, j'ai fini ma session de travail. L'ordinateur me le dit. Félicitations, vous en avez fini avec ce paquet pour l'instant. Il y a d'autres cartes inédites, mais la limite quotidienne est atteinte. Personnellement, encore une fois, je l'ai mis à 2 cartes par jour, 2 nouvelles cartes par jour. Cette limite peut être rehaussée dans les options, mais n'oubliez pas que plus vous introduisez des cartes inédites, plus votre charge de travail à court terme sera intense. Donc là, c'est vraiment une limite à définir avec le jeune. On verra plus tard dans la vidéo. Parce que si vous mettez une limite trop haute, ben le jeune ira plus vite dans l'apprentissage de son paquet. Par contre, ça lui fera des sessions de travail plus longues. Donc là, on a vu comment ajouter un paquet. Et on a vu la manipulation de ce paquet. D'accord ? Donc, maintenant, ça me permet de parler un peu de la synchronisation, même si j'en ai déjà parlé. Donc, cette synchronisation, elle permet à tous mes appareils d'être connectés les uns avec les autres. Donc, là, je vais... Alors, la synchronisation, je peux la forcer en cliquant sur le bouton synchronisation, mais elle se fait également toute seule si je quitte le logiciel. Donc, pour vous montrer, je vais forcer la synchronisation. D'accord ? Si je reviens à mes paquets, on voit que j'ai toujours mon vocabulaire de latin, mais là, les chiffres sont 0-0, c'est-à-dire que j'ai fini pour aujourd'hui. D'accord ? J'ai étudié 5 cartes en un peu moins de 2 minutes. D'accord ? Et je vais quitter. Et donc, pour vous montrer que la synchronisation fonctionne, je vais me reconnecter à mon espace AnkiWeb. D'accord ? Donc, je clique. Alors, toujours pareil, si vous ne l'avez plus, vous allez dans votre moteur de recherche. Et vous tapez AnkiWeb ou Anki. Voilà. AnkiWeb.net. J'y vais. Et là, vous voyez, je me retrouve avec mes paquets. Alors, je suis déjà connecté. Mais même si je me déconnecte et que je me reconnecte, ça va faire la même chose. D'accord ? Donc, j'ai bien mes 2 paquets que j'avais d'origine. Et j'ai bien l'import de mon vocabulaire du latin au niveau collège. Avec 0 et 0, puisque la session de travail est terminée pour aujourd'hui. D'accord ? Voilà, donc là, la synchronisation a eu lieu. Si j'avais téléchargé l'appli téléphone et que je me connectais depuis mon téléphone, ça serait la même chose. D'accord ? Donc, quand vous travaillez, enfin que le jeune mémorise les cartes sur l'appli web, sur le logiciel PC ou sur son téléphone, eh bien, il n'y a pas de carte, enfin, il y a normalement, si la synchronisation se passe bien, il n'y a aucun souci. Alors, on va revenir sur cette histoire de limite quotidienne, on se rapproche de la fin, d'accord ? Et on va voir comment définir cette limite quotidienne. Alors, ça, je crois qu'on peut le faire aussi bien sur l'appli PC que sur l'application, enfin sur le logiciel PC que sur l'appli web. On y est sur l'appli web, donc on va y rester. Je reste sur mon vocabulaire de latin au collège. Et là, donc j'ai le bouton action, d'accord ? Ce qui correspond à la roue dentée dans le logiciel PC. Je clique et là je peux renommer, partager. Et non, alors il faut que je rentre. Ouais, je vais vous le montrer depuis l'application PC, parce que là j'ai un doute d'un seul coup. Donc je ferme ça. Et je rouvre l'application PC.
Je rentre dans l'utilisateur qui m'intéresse, ouvrir, et je vais cliquer sur la roue dentée. Et là, en plus de renommer, de partager, donc exporter, et de supprimer, delete, j'ai le bouton option, je clique dessus. Et voilà. Alors, on ne va pas détailler tous les réglages, il n'y en a pas beaucoup d'extrêmement intéressants. D'accord. Par contre, voilà, on voit ici nouvelle carte par jour. Donc, je crois que c'est 5 par défaut. Moi, je l'avais baissé à 2. Mais vous voyez que si je veux le remettre à 5, il n'y a pas de souci. D'accord. Les réglages prendront effet le jour d'après, hein, si mon paquet est fini. D'accord. Enfin, si ma révision est finie pour aujourd'hui. Donc, je vais remettre à 2. Bien évidemment, vous pouvez monter. Donc, ça, on est d'accord que c'est les nouvelles cartes par jour. À ces nouvelles cartes par jour, ça s'ajoute les cartes à réviser et les cartes qui ont eu des erreurs. Donc, si vous mettez un nombre élevé, plus la session de travail va être longue. Bon, après, plus le jeune ira vite aussi dans la mémorisation de son paquet. Mais bon, donc à définir, voilà, 5 c'est pas mal. Moi, je pensais à des jeunes là, qui n'étaient pas des foudres de guerre. Voilà, j'étais même pas sûr qu'ils allaient se connecter tous les jours. Donc, enfin, vraiment pour les impliquer et qu'ils n'arrêtent pas au bout de 3 jours, j'ai mis un nombre de cartes très, très faible. Alors, vous pouvez modifier là, on retrouve nos 4 jours là, ici, un intervalle pour les 4 faciles. Si vous trouvez que 4 jours, c'est trop entre la première présentation de la carte et la deuxième présentation de la carte, eh ben, vous pouvez baisser. Hein, si vous voulez mettre 2 jours, vous mettez 2 jours. D'accord. Personnellement, je ne change rien. Hein, tout ça, c'est un peu étudié, c'est tout en termes de fonctionnement de cerveau. D'accord. Il n'y a pas grand-chose d'autre à regarder. Ce qui peut être intéressant quand même, c'est dans l'onglet général, parce que vous pouvez choisir de faire afficher un chronomètre. D'accord? Mais ce n'est pas une obligation. Et s'il y a un audio, vous pouvez définir de jouer l'audio automatiquement. Ça, c'est pas un truc qu'on est sur le téléphone, notamment. S'il y a un audio, bah, en fait, dès que la carte s'affiche, le son est lancé. Sinon, il faut cliquer sur un bouton. Voilà. Bon, moi, je vais décocher les deux, mais encore une fois, ça, c'est vraiment vous qui voyez. D'accord? Donc là, on vient de voir, hein, comment définir. Le réglage, je peux le faire paquet par paquet. Par exemple, si je veux augmenter le réglage à la table des 5, donc je clique sur option, voilà, la petite roue dentée, option, je mets nouvelle carte, je vais remettre 5 par exemple, et OK. Et là, on voit que inédite, je suis passé à 5. D'accord? Voilà pour la définition des limites quotidiennes. Et donc, il nous reste la dernière chose, ça va être extrêmement rapide, mais je vais quand même vous le montrer. C'est donc le téléchargement de la version Android. Alors, je peux quitter mon Anki PC, j'en ai plus besoin. D'accord. Je rouvre un navigateur Internet. Et donc là, je vais aller dans le Google Play. Google Play Store. Alors ça, bien évidemment, vous vous le faites depuis votre téléphone. Hein. D'accord. Là, c'est juste pour vous montrer, parce que quand vous allez voir que quand je tape Anki, j'ai beaucoup d'applications qui sortent. Donc, je vais dans Rechercher. Je tape Anki, encore une fois, vous vous le faites depuis votre téléphone. Je recherche. Et voilà ce que vous devriez trouver. Alors, il n'est pas du tout parti sur Anki, là. Donc, je tape Anki et je recherche. Voilà. D'accord. Alors, les images mettent un peu de temps à s'afficher. Ouais, vous voyez qu'il y a beaucoup de Anki. Alors, Anki Droid, c'est celui-là. Hein. C'est le bon, il arrive en premier. Mais il y en a beaucoup d'autres. Anki français, Anki app flashcard, Anki flashcard, Anki flashcard, Anki override, Anki drive, Anki flashcard, etc., etc. Le bon, c'est le premier. D'accord? Le bon, c'est le premier. C'est celui-là qu'il faut télécharger. On retrouve un petit peu l'idée de l'icône avec les étoiles bleues et le fond noir. D'accord? Et bah vous téléchargez l'application, hein, on voit des exemples de paquets là, c'est de géographie, d'accord. Voilà, quand on pratique longtemps l'application, on a des graphiques, hein, qui nous permettent de voir un petit peu nos temps de révision, etc. Voilà, bah écoutez, on arrive au bout, hein, on arrive au bout de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a donné envie de découvrir et de télécharger cette application. L'objectif, c'est de faire une deuxième vidéo dès que j'aurai quelques minutes pour vous montrer comment créer votre propre paquet. Parce que là, on a vu qu'on pouvait télécharger un paquet qui existait déjà. Il n'y a pas un choix de fou et puis on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, on verra qu'on peut créer facilement des cartes et ça, je trouve vraiment
sera intéressant pour les grands, pour les impliquer dans ce principe de mémorisation et leur donner envie ensuite d'utiliser Anki au quotidien. Voilà. Hein, on les implique, ils participent, ils font leur paquet et derrière, je pense qu'ils auront plus de facilité à le mémoriser. Et voilà. Donc, l'intérêt de la prochaine vidéo, c'est d'être dans la continuité de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Normalement, vous avez compris le principe d'utilisation, vous avez créé votre compte, vous avez éventuellement l'appli PC, pourquoi pas l'appli téléphone. Et derrière, on créera notre propre paquet. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.